Salut les copains de On n'y connaît rien, c'est reparti pour une nouvelle vidéo dégustation à l'aveugle d'un vin. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à regarder ce programme, de partager, de nous donner des conseils, de commenter les vidéos. C'est hyper sympa de partager la passion du vin. Aujourd'hui, partons en direction du Bugey, vin blanc avec le White Mamba du fameux domaine La Grange de Na. 75% Chardonnay, 25% Jacquère, White Mamba. C'est un petit pétard, m'a-t-on dit, ce vin. Pas évident à trouver, et j'en ai trouvé. Et voilà, on va déguster ça avec Aurélie et Pierre. Allez, j'aimerais qu'ils trouvent quand même le Chardo en pourcentage. Est-ce que je leur donnerai l'indice qu'il y a deux cépages? Je sais pas, je vais voir comment je suis luné. C'est parti pour le White Mamba, Bugey, Jacquère et Chardo. Et c'est La Grange de Na qu'on va découvrir, super domaine. C'est parti. Les vignerons de l'Iréel, ils sont là. C'est Aurélie et Pierre. Oh, ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux là. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait le trio infernal avec Alex, Pierre et moi. Ah oui, oui, abonnez-vous. Vous abonnez plus. Oui. J'aimerais que vous me disiez une région. Oh, le nez est joli. Ce vin-là, je trouve que le nez est un peu effacé, moi. Non. Il y a des belles notes subtiles par-ci, par-là, mais c'est pas... Ouais, la bouche est beaucoup plus forte que le nez, effectivement. Je m'attendais à quelque chose de plus... C'est une sacrée personnalité. De plus léger, et finalement, c'est assez... Ouais, il y a de l'ampleur en bouche, hein. Tu me dingue. Ouais. Le nez plus subtil, floral, qui m'amène plus vers un chardo, en fait. Mais voir un assemblage, voir un truc... Il y a une petite note oxydative, il y a un petit truc... Ça pourrait être comme les Vermentino, les clairettes, ça peut fonctionner sur ce genre de type de cépage, mais... Moi je trouve ça, c'est classe. C'est un peu végétal, mais tu sors pas ça à n'importe qui. Ah non, bah non, mais vous êtes pas n'importe qui, vous. Ouais. C'est pas n'importe qui, c'est les dégustateurs dont on n'y connaît rien. Et c'est pas n'importe qui, ce sont des... Là, vous avez des gens qui sont c'est des aventuriers, c'est des... Dedication. Regarde, le foie. Comme ça, le foie. C'est un peu des Florence Artaud. Non, du vin. Florence Artaud du vin, des Dieu le veut. Tu rappelles Dieu le veut, qui est mort qui était un mec de la DGSE, qui a été tué dans les années 80. Toi, c'est pas ta génération, là? Non, moi, je me souviens de Jacques Mesrine. Si ce vin était une icône. Ouais, ok. Ce serait la blague dans James Bond, là, avec son visage hyper sévère, là. Tu vois? Strict. Ouais. Tu trouves qu'il est strict, ce vin? Ah, je trouve qu'il y a un truc de... Voilà, c'est vrai. D'autoritaire. Je pense qu'avec un petit Saint-Marcellin, ça peut le faire, ouais. C'est assez classe, effectivement. On est près des montagnes Alpes-Jura, on est à l'est de la France. Ok. Est-ce que si on trace la latitude, est-ce qu'on trace la latitude sur Lyon, on est à l'est de Lyon. Ouais. Oui, c'est est. Ouais. Vous sentez la petite étincelle dans mes yeux là, mais c'est pas kiff, forcément. Là. Mais je suis sur la bonne voie. Est, ça veut pas dire nord, ça peut être non, au non. Sud. Hey, ça peut être sud. Est, tu coupes la France, ouais, ouais. Est. Mais est, ça peut être au sud. Oui, ça peut être au sud. Moi, je découvre ce vin et je trouve vraiment qu'il a beaucoup de charme et qu'il est, c'est un vin qui est assez entêtant, qui fait. Non, mais je trouve que c'est un vin qui, voilà, c'est un vin sur lequel on va pouvoir réfléchir, cogiter, qui passe pas tout seul, il y a la personne qui l'a faite, elle est, il y a une forme d'intellectualisation un tout petit peu, je trouve. Ouais. Bon, c'est un vin de cépage, Alex? Non. Ah! Bien, wesh. 75-25. Ouais. D'accord. Chardo Clairette. Ouais, ça pourrait. Moi, mon premier instinct, c'est Jacquère. Enfin, j'ai eu les chenins, les machins, les trucs. D'accord, ça serait un des cépages. L'intuition, là, pourquoi pas. Le truc qui m'a traversé, c'était Jacquère. Et c'est pour ça que j'ai dit à l'est, vers les montagnes, tout ça. C'est un vin nature. Et je trouve que dans le style, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas bu un vin nature qui est droit comme ça en blanc, qui est fort, quoi. C'est du cresson. Je suis surpris aussi par l'alcool. J'ai l'impression qu'il est assez alcoolé quand même. Non, mais c'est propre, c'est net. J'ai pas de grande émotion. C'est pas mauvais du tout. Je veux filmer l'intérieur du frigo d'Aurélie. Ouais. Non, mais
Il y a trop de bouteilles. C'est le seul frigo du monde où il y a plus de place pour les bouteilles que pour la bouffe quand même. Sur les cépages, on sait on est où? Ah ouais, alors là, on a... Ça me rapproche encore de la, de des montagnes, parce que je trouve qu'il y a un truc de dur, tu sais, le montagnard, quoi, le mec. La Savoie, quoi. On coupe du bois, on coupe du bois. Ouais, faut enlever la neige, on enlève la neige. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Altesse Jacquère. Bon, alors, une région, Aurélie, Pierre, une région. Allez, on y va. Moi, je vais rester sur les Alpes. C'est mon Alpes. Ouais, plus les Alpes que le Jura, quand même. Ah, peut-être... Je crois que c'est la première fois que je connais rien. Je sais pas ce qui se passe. Que j'influence Aurélie, ou alors elle est influençable. Il y a un truc, elle, tu vois. Fatigue. Ouais, je dis des trucs, j'arrive à l'emmener un petit peu dans mes idées. Non, mais. Altesse, j'ai dit Jacquère. Non, mais Jacquère, ça aurait possible. Cléret, c'est possible aussi. Cléret, c'est toi qui l'as dit en premier. Alors, le cépage principal pour toi, Pierre, c'est quoi? Le cépage principal, 75%, c'est du. Allez. Malvoisie. 25% Jacquère. Ouais. Bon. Aurélie? Ah, j'ai une connerie. Jacquère, Malvoisie. Il y a plus de Jacquère que de Malvoisie. Ouais. Allez. Et plus ça va, plus il est extraordinaire, ça va. Aurélie, ferme les yeux. T'es en concours. Décroise les jambes. Voilà. Pose ton verre, Aurélie. Mais écoute-moi pendant 30 secondes. Je te demande de suivre mes indications. Détends les bras. Je me fais coacher. Détends les bras, ferme les yeux. Tu dois bien être sur les deux jambes, voilà, t'es centré. Et là, tu vas prendre une inspiration profonde, tu vas tout expirer, tu vas prendre une inspiration qui part de ton périnée et tu vas sentir l'énergie qui remonte jusqu'à ta tête en respirant, les yeux fermés et doucement. Oli, c'est ni Dieu ni même. Hein. L'Europe me donne des ordres. C'est l'anarchie, quoi. J'aime bien. Fais-le une fois ou deux. Regarde, tu fais pas comme il faut les jambes. Regarde. Oh putain. On le fait ensemble. Regarde. Oh putain, non mais. Attends, c'est comme ça. On relaxe tout. Comme ça. On relaxe tout. On rentre un peu le menton pour avoir la colonne droite, d'accord. Malvoisie. Et là. Malvoisie. Tu te fais une petite montée de Kundalini fast food. On fait tous du yoga. Tu relâches tout. Plus profond. Part bien du bas et qui va jusqu'en haut. Pendant qu'ils font tout ça, je voulais dire que c'est un vin qui. C'est sûr qu'il est jeune. Il est jeune et il a pu vieillir encore large. Un chardonnay. Eh ben voilà. C'est dit. Non, c'est dit. C'est fait. Non, je dis n'importe quoi. Trop tard, tu l'as dit. Mais je pense que c'est Jacquère. Alors, les deux pierres. Bugey blanc, chardonnay, Jacquère. Oh putain, mais on est chardon, c'est Chardon qui a 75. Vous avez trouvé tous les deux. Une petite danse, là quand même. White Mamba. Ah, ça va mieux Aurélie, je sens, ça t'a fait du bien, tu vois. T'as vu, c'est comme dans le sport, parfois on est mal, on est pas bien, on gagne plus de match, et d'un coup, on était dans le dur, et là, on s'est battu. Chardon, je lui ai fait prendre trois respirations, et voilà. Tu connais un petit peu? Alors, je donne des stages à mon domicile. C'est 1000 euros par jour, mais vous allez trouver votre voie dans la vie. Vous allez... Putain, il est infernal. Il est déchaîné. Tu vois, Aurélie, c'est pas les vins que t'apprécies le plus que tu trouves. En fait, on gagne zéro argent. Ah bah oui, c'est le but. Le montage d'une vidéo, Alex, je sais pas combien ça lui prend, 1h30. Moi, ça me prend 6h. D'accord? Moi, ça prend. Donc, je ne peux pas le faire. Il faut qu'on se paye un monteur. Un monteur, ça va nous coûter combien? 100 balles par vidéo. Mais si on n'a pas... Ouais, mais si on n'a pas 10 000 abonnés, on pourra pas se payer le monteur et on va arrêter. Si on avait les moyens de se payer un monteur, on en posterait plus. Abonnez-vous.